Fille versus garçon. Dans Meg Armure versus les girls. Un truc spécial pour les garçons qui se combattent contre les filles. Ça va faire sable vengeance. Mais ça, c'est réservé aux 14 ans. Que c'est 14 ans, c'est pour les 14 ans, même pour les plus. Parce que ce film est pour aux garçons. Et oui, ça c'est une règle. Cette vidéo est pour les garçons et pour les hommes. Et tout commence dans une histoire là, une promenade. Un jeune adulte, plutôt un adolescent, il a plutôt dit avec une adulte, il se promène, il adore marcher, bien sûr. Ce jeune garçon marchait, mais après il boude. Et pourquoi? Il y a des filles partout. Il y en a deux, et il y en a plusieurs en club de filles. Il supporte pas avoir ça, comme si c'était une sorte de jalousie. C'est toujours pareil, qu'il y a toujours des clubs de filles partout, partout. Pour que ce soit eux les seuls qui dirigent partout d'ailleurs. Et quand c'est la coupe est pleine, après que la révolte des hommes s'est déjà finie, que les femmes maintenant les laissent pour leur propre vie eux aussi, mais après la coupe est pleine, maintenant, ils en font trop. Et quand ça fait trop, c'est elle qui commence à grandir, grandir. Et quand l'adolescent ne supporte pas avoir, ne veut pas avoir ça, ça a toujours la vue de pouvoir. Il y en a ras-le-bol, et quand l'écran partit, encore gagne amour. Ce sont eux qui gagnent comme les collections. Et quand l'adolescent en a marre, il a décidé de dire « Je vais me venger contre l'épée !» Alors il sent sa télécommande activer son méga armure. Il est arrivé, et le voilà, il ouvre, commence son ouverture, l'installation de son siège, pour le faire installation, et hop, c'est parti dans l'armure. Et une fois après, là les filles, voyez les filles, regardons, voyons que le garçon est dans l'armure. Et résultat, c'est là qu'il fera massacrer. Et crac! Du sang partout. Là les deux filles sont mortes. Du sang partout. Là c'est le méga armure. Et là les clubs de filles, ils se préparent pour attaquer contre le méga armure avec leur pouvoir d'amour et d'amitié. Mais hélas, échec. Hélas, les clubs de filles là, les clubs de girls sont morts. Mortes. Et coup de paf, et coup de pour péter la gueule. Et un coup de pied pour casser la tête. Et off, coup de vengeance, mais le méga armure. Et voilà, toutes les ennemies jurées des girls sont mortes. Et voilà, on a un incendie de girls mortes. Et voilà le résultat, le méga armure est fier de lui. Il a gagné sa vengeance. Et voilà le travail. Et là, il est fier de lui. La vengeance est un plat qui s'y mange froide. Fin de l'histoire d'une simple vengeance de film d'horreur.